Alors, salut tout le monde, je suis aujourd'hui donc pour la première vidéo du mois de mars pour les défis des centimes. Donc finalement, je vais faire plusieurs vidéos parce que la boîte commence à être bien remplie. Voilà, petite update sur les pièces. J'ai atteint les 100 € dans les pièces. Alors, j'ai pris sur le défi de la petite monnaie les 16,55 €. Enfin, 16, il me manquait 16,45 €. Les 45 centimes, je les ai pris dans mon portefeuille directement, donc là-dedans quoi. Et les 16 € je les ai pris dans le défi de ce que j'ai déjà mis dans le défi de la petite monnaie tout simplement. Voilà, donc c'est pour ça que là c'est vide, mais du coup on remplira à la fin du mois. Et donc du coup là c'est pas le but de la vidéo, on va faire le défi des centimes. Voilà. Je compte bientôt aussi vous faire une vidéo des bilans de 1 an des enveloppes, parce que ça fait 1 an au mois de mars que je fais les enveloppes. Donc voilà, donc on va tout renverser. Hein. Il y en a de la pièce. Je vous préviens. Hop, ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc, on va voir déjà. On va faire 3,64 €. Donc, 3 €. Donc là pareil, je vais faire que un trait par entrée. Hein. Ensuite, est-ce qu'on peut faire 3,63 €? Je sais pas du tout. Donc là, ça fait 1, 2, 3. Alors 3,63 €. Ensuite 3,62 €, est-ce qu'on peut le faire? Donc 1 €. Je pense pas. Hop. 2 €. Donc là, on a 3 €. Donc 3,40 €. 3,50 €. Ah, peut-être. 3,60 €. Et 3,62 €. Et donc là, il nous reste 2, 4, 6, 8, 10 et 12 centimes. Donc 12 centimes, on ne peut pas les mettre, ça c'est sûr. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les remettre dans la petite boîte. Voilà, tout simplement. Donc ça fait 3 cases de rempli, mais 3 grosses cases. Là, on est à plus de 10 €. Donc plutôt cool. Voilà. Dites-moi vous comment vous procédez pour le défi des centimes. Après moi honnêtement, du coup je vous ai pas dit, mais le sachet de 100 € il va aller sur le fonds d'urgence directement. Voilà. Ça va m'aider à augmenter le fonds d'urgence parce que je veux atteindre mon fonds d'urgence, le clôturer avant le 2023. Voilà, donc j'ai encore le temps, mais bon, on sait jamais. Voilà, vaut mieux prévoir, sachant que j'achète une maison, s'il y a des dépenses imprévues, on sait jamais. Voilà, donc du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!